voir, tu dois voir qu'à l'image, il y a Pierrot. Je tiens le vélo, tu peux t'asseoir. Il y aurait quelqu'un. C'est bon. Kiké. On est bon pour faire la tour en direct. Bah vas-y, dis-moi. C'est tout bon les amis, mais c'est pas bon. C'est bon. Oui, avec Pierre Latour qui a vraiment été au bout de l'effort, au bout de lui-même, Pierre. Beaucoup de souffrance. Hein. On voit votre visage en arrivant, vous avez tout donné. Ah ouais, bah de toute façon, sur ce parcours, t'es obligé de finir un peu complètement mort quand même, avec Domancy plus le final qui est en prise pendant les 3 bornes et demie encore après. Donc tu peux finir que cramé. Il y a vraiment des endroits aussi à faire attention. Est-ce qu'il y a des virages piégeux pour les favoris qui vont prendre tous les risques? Si vous aviez un conseil à donner, ça serait lequel? Bah, de ce que j'ai vu dans le bus tout à l'heure, c'était le premier virage où tout le monde tombait. Mais non, en vrai, la descente elle passe pas trop mal. Il y a le virage en bas avec Lilo qui resserre. Et sinon, il y en a un autre, mais on voit à chaque fois, donc ça va, c'est pas très dangereux, et puis ça plonge pas vraiment, donc t'es quand même toujours obligé de pédaler, et t'atteins pas des vitesses non plus folles, quoi. Alors, en tant qu'ancien spécialiste sur le France de la spécialité et de l'exercice, le Vingegaard et Pogacar, favori, ce soir. Je sais pas, là ce sera celui qui a les meilleures jambes du jour, vu le parcours du chrono, et bah, les deux font des beaux chronos tout le temps, donc ça va être un match serré. Moi je dirais Poggi, mais bon, ça va se jouer aussi sur la fraîcheur avec les deux semaines qu'il y a eu, donc on verra. Un mot sur ta performance quand même, Pierre, tu finis à moins d'une minute de la tête, c'est un bon chrono pour toi? Ouais, ça va, après tu veux toujours faire mieux, et puis une fois que les meilleurs seront passés, ça fera à peu près 40e, je pense. Donc, c'est moyen, quoi. Mais bon, ça va. Comment tu te sens avant le début de cette troisième et dernière semaine? Là, si, par terre, ça va relativement bien. Après, on verra.